l'approche de la 61e édition de la finale de la Coupe du Mali, nous avons tenu à nous adresser au monde sportif et particulièrement au monde du football. Cette année, la 61e édition se caractérise par un certain nombre de faits saillants. D'abord, nous avons pu organiser l'ensemble de nos compétitions de 2019 à nos jours, et ce qui constitue pour nous une grande prouesse, amener la régularité dans nos compétitions était un engagement de notre programme de campagne. Et le niveau du championnat aujourd'hui reflète combien de fois il est important de jouer les compétitions. La particularité de la Coupe du Mali, est une fête nationale. Sous l'égide du président de la République et en relation avec le ministère de tutelle, qu'est le ministère des Sports, cette 61e édition verra, à l'instar de ce qui s'est passé l'année dernière, la présence de grandes figures du football, tant mondial qu'africain. Il y aura également la présence de certains de nos valeureux joueurs qui ont fait la fierté de ce pays en portant le drapeau national pour hisser le football malien à un haut niveau. En cela, nous invitons l'ensemble du monde sportif, les acteurs de football, les supporters, les journalistes, à nous accompagner le samedi 25 juin 2022 au stade Omnisports pour qu'ensemble nous pouvons donner une grande dimension à cette fête nationale et aussi prouver à l'opinion nationale et internationale que le football se porte très bien au Mali et que cela est un gage de succès, surtout que les plus hautes autorités nous ont accompagnés de 2020 à maintenant. Donc, plaise à Dieu que la fête soit belle, qu'il y ait le fair play sur le terrain et qu'au terme des 90 minutes de jeu, que le finaliste ou l'équipe vainqueur puisse brandir le trophée avec beaucoup d'humilité, mais avec beaucoup de détermination aussi. Je vous remercie.